Brigitte Bardot, scandalisée et horrifiée par cette vidéo postée par Hugo Clément. Lorsque le journaliste a posté une vidéo de l'assassinat d'un sanglier, l'ancienne actrice a vivement réagi. Encore des images qui ont suscité colère et indignation sur les réseaux sociaux. En effet, Hugo Clément a partagé cette semaine une vidéo remontant à fin 2019, sur laquelle on y voit un jeune sanglier domestiqué être abattu à bout portant par des chasseurs. Voir cette publication sur Instagram, une publication partagée par Hugo Clément @HugoClément. Hercule, un sanglier apprivoisé, abattu à bout portant alors qu'il cherchait de l'affection. Des cerfs criblés de balles et de chevrotines, qui agonisent pendant des heures. Depuis plusieurs années, chasseurs et braconniers sèment la terreur dans un magnifique parc privé de Seine-et-Marne, a écrit le journaliste en légende. Les réactions, face à cette scène insoutenable, ont été nombreuses. Parmi elles, celle de Brigitte Bardot. Quelle que soit la date, l'assassinat scandaleux du sanglier Hercule par un salopard de chasseur qui l'a tué à bout portant est une horreur, a pesté cette grande défenseure de la cause animale. Quelle que soit la date, l'assassinat scandaleux du sanglier #Hercule par un salopard de chasseur qui l'a tué à bout portant est une horreur. Un demi https://t.co/i2zbp4cb, Brigitte Bardot @brigitte-babardot, February 26, 2021. Beaucoup trop de chasseurs ne sont que des assassins, soutenus politiquement, plus des êtres humains mais des monstres, des ordures, des fous de la gâchette qui ont l'outrecuidance de me traîner devant les tribunaux. Envie de vomir devant tant de terreur, a-t-elle dénoncé. Beaucoup trop de chasseurs ne sont que des assassins, soutenus politiquement, plus des êtres humains mais des monstres, des ordures, des fous de la gâchette qui ont l'outrecuidance de me traîner devant les tribunaux. J'ai envie de vomir devant tant de terreur. Le demi, Brigitte Bardot @brigitte-babardot, February 26, 2021. Bérangère Abbe, la secrétaire d'État à la biodiversité, a également pris la parole et compte bien agir. Cette vidéo est choquante à plus d'un titre. Avec Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, note de la rédaction, nous demandons à l'Office français de la biodiversité de lancer une enquête. La rédaction.